أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله الحمد لله نسمع توجو على سورة النساء Nous commençons aujourd'hui par l'aya 56 ou 55. Naam. Voilà ce qu'on a ta'ala dit. Faminoum man amana bihi wa minoum man sadda an. Faminoum man amana bihi. Il dit, il y a parmi eux, man amana bihi, ceux qui ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faminoum, il y en a. Parmi eux, c'est-à-dire parmi les gens du livre, mana amana bihi, ceux qui ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mana amana bihi, ceux qui ont cru au Coran, à la révélation qui a été faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa minhum, il y en a parmi eux également, man sadda anhu, ceux qui s'en écartent, ceux qui se sont écartés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cru, ils se sont écartés. Parce que quand on crie en quelque chose, on suit. On l'a su. Il y a eu parmi les gens du livre, là, parmi les juifs et les chrétiens, ceux qui ont crié au prophète Mohammed, qui se sont convertis à l'islam. Il y en a dans tous les temps. Il y a des gens du livre, des chrétiens qui se convertissent en islam. Il y a des juifs qui se convertissent en islam. Allah dit, il y a parmi eux ceux qui ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a aussi qui se sont écartés, qui ont refusé de croire en lui. Hein? Malgré leur science que c'est le prophète. Parce qu'ils savent déjà que c'est un envoyé, le sceau des prophètes, qui a été cité dans la Torah et dans l'Évangile. Après cela, ils se sont divisés en deux groupes. Famine Mana Amana Bigi, il y a eu parmi eux, Man Amana Bigi, ceux qui ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au Coran, qui se sont convertis à l'islam. Waminu Man Sadda Anhu, il y en a aussi qui se sont écartés. Mais ceux qui sont écartés, ceux qui sont les plus nombreux. Allah dit Kathiru Minhum Fasiqun. Il y a beaucoup parmi ces gens-là, ils sont pervers. Après avoir connu la vérité, si on refuse de suivre la vérité, on devient pervers. Et si on suit la vérité, on devient croyant. Alors dit, faminhum man amana bihi, wa minhum man sadda an. Alors dit, wa kafa bi jahannam sa'ira. Il dit, l'enfer, jahannam, suffit comme braise pour ceux qui se sont écartés de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
ceux qui sont écartés de la croyance, de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, Jahannam, c'est-à-dire l'enfer, les soufis, comme braise, comme lieu de braise, là où ils seront braisés, ils seront brûlés dans l'enfer. Ça, c'est la récompense ou le châtiment de tous ceux qui ne croient pas, tous ceux qui ne croient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui ne sont pas musulmans aujourd'hui là. Après la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui ne sont pas musulmans, ils vont à l'enfer. Même s'il est parmi les gens des livres. Même s'il croit en Allah. Mais tant qu'il ne suit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa croyance n'est pas parfaite. Donc, en conséquence, il va se retrouver à l'enfer. Il y en a parmi les hommes aujourd'hui, ceux qui ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont musulmans. Il y en a parmi les hommes, ceux qui se sont écartés, ils se sont écartés de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne sont pas des musulmans. Et donc c'est l'enfer qui va nous séparer. Ceux qui ont cru vont au paradis. Ceux qui ont refusé de croire, de suivre, de devenir musulmans, l'enfer leur suffit comme lieu de braise. Qu'Allah nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a confirmé cela dans ses propos. Une fois il a dit, la yasma'u bi yahoudi wa la nasrani, thumma la yu'minu bi illa kana min ahli an-nar. Il dit, aucun juif ni aucun chrétien ne va apprendre ma prophétie et qui refuse de me suivre sans qu'il se retrouve dans l'enfer, sans qu'il soit parmi les habitants de l'enfer. Donc, les portes du paradis sont fermées, sauf à ceux qui sont musulmans. Non. Innadina indallah l'islam. La religion acceptée par Allah, c'est l'islam. Seuls les musulmans iront au paradis. Les musulmans d'aujourd'hui, les musulmans d'avant. Les musulmans du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans du temps de Jésus alayhi salam, les musulmans au temps de Moïse alayhi salam, les musulmans qui suivaient Abraham, les musulmans qui ont suivi Noé, les musulmans qui ont suivi notre père Adam, lui-même il était musulman. C'est les musulmans seulement qui vont au paradis. Ceux qui ne sont pas musulmans là, ils ne vont pas au paradis. Il ne faut pas avoir croire que l'islam, ça a commencé avec la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, non, non. Tous les prophètes, leur religion, c'est l'islam. Donc ceux qui sont musulmans, autant des prophètes, autant de Jésus là, hein, autant, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les trouvait, ils allaient le suivre. Mais en vérité, ceux même qui ne croyaient même pas à Jésus, qui ont déformé sa religion, qui ont falsifié la Bible. Ceux-là, ils ne suivent plus Jésus, ils ne suivent plus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que celui qui suit Jésus-là, il va suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a recommandé de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible. Il a dit ça. Non. Donc ceux qui ont falsifié cela, donc ils suivent autre chose. Mais en réalité, ils ne suivent plus Jésus ni Moïse. Ce sont des chrétiens et des juifs. Alors que Jésus, lui, il était musulman. Moïse également était musulman. Non. Allah dit, « Inna alladhina kafaru bi ayatina. » Certes, ceux qui ne croient pas à mes signes, « Inna alladhina kafaru. » Certes, ceux qui ont mécru bi ayatina à mes signes. Les signes d'Allah, c'est sa parole, le Coran. Le Coran est la parole d'Allah, le Coran est les signes de la puissance, les signes de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on croit au Coran, on croit automatiquement à l'existence d'Allah, à une divinité unique, digne d'adoration. Donc Allah, il a donné ayat comme nom à sa parole. Le Coran,
L'ensemble du Coran, on l'appelle le Coran, c'est la parole d'Allah. Mais les passages du Coran, on les appelle ayat. C'est Allah même qui a donné ce nom au passage du Coran. Ayatina. Tilka ayatul kitab. Donc il est bon qu'on dise les ayat du Coran au lieu de dire les versets du Coran. Non, non, non. On doit dire les ayat du Coran. Versets là, les versets se trouvent dans les Bibles. Mais dans le Coran, il y a les ayat. C'est ce qui est correct. Mais à cause de la tradition, on a coupé collé en même temps. Hein? On a utilisé des thèmes qui sont bibliques, des thèmes qui sont chrétiens. Au moment de la traduction du Coran en langue française. Parce que la langue française a dominé la Bible. Et donc, le Coran, c'est en arabe. En voulant traduire l'essence du Coran en français ou en anglais, les Anglais c'était des chrétiens, les Français c'était des chrétiens. Donc, on a utilisé des thèmes chrétiens dans la traduction du Coran, ce qui n'était pas correct. Maintenant, on est en train de réviser pour rectifier. Au lieu de dire verset là, on a vu ça dans la Bible. Mais le Coran, Allah même, le nom qu'il a donné au passage de sa parole, il a dit ayat. Donc pourquoi on ne dit pas ayat? On dit ayat, désormais quand on dit ayat, tout musulman sait que c'est le passage du Coran. Ayat-tan, cinquième ayat, au lieu de dire verset 5, verset 6. Hein? Voilà. On dit Allah au lieu de dire Dieu. Bismillahirrahmanirrahim, on a dit au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Non, maintenant là, on dit au nom d'Allah. Parce que quand on dit Allah, tout le monde sait que c'est Dieu des musulmans. Mais quand tu dis Dieu là, ça peut être Dieu des féticheurs, ça peut être Dieu des chrétiens, ça peut être Dieu des animistes, ça peut être Dieu des bouddhistes, ça peut être n'importe quel Dieu. Mais quand tu dis Allah, le bouddhiste même sait que ce n'est pas lui son Dieu. Quand on dit Allah, le chrétien sait que ce n'est pas Jésus. Quand on dit Allah, les autres là savent que c'est le Seigneur, Dieu des musulmans. Donc, même si on fait la tradition, on dit Bismillah au nom d'Allah. Voilà. C'est son nom propre. C'est ça qui est mieux. En djoula, on dit Allah, c'est ça. En sinfo, on dit Kolotcholo, on dit clair. Désormais, là, on doit dire Allah, Allah, même en sinfo. Parce que Allah, là, c'est son nom qu'il a. Allah s'est donné son nom, Allah. C'est son nom propre. Il n'a pas d'homonyme. Il n'y a personne qui s'appelle Allah. Non. Halta Alamulawu Samiya. Quand on dit Allah, 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 qui peut répondre à sa place? Mais celui qui se considère comme un Dieu. Quand tu dis Dieu là, lui il se concerne, il se sent concerné. Celui qui se fait Dieu, celui qui a autre Dieu qui n'est pas Allah là, quand on dit Dieu là, lui il pense que c'est son Dieu. Alors qu'il y a plus, tous les dieux en dehors de Dieu Allah là sont des faux dieux. Quand quelqu'un dit oh mon Dieu, on ne sait pas c'est qui. Quand un musulman dit oh mon Dieu, on sait que c'est Allah, n'est-ce pas? Mais quand un chrétien dit « Oh mon Dieu, c'est qui ?» Ça peut être Jésus, ça peut être Marie, ça peut être le Saint-Esprit. Mais quand on dit « Allah », on est sorti dans toute ambiguïté. Voilà, donc c'est mieux quand on emploie désormais le thème même du Coran. Allah dit « Bi ayatina, mes ayats, ceux qui ont m'écrit, hein, qui n'ont pas voulu croire. » à mes ayats, c'est-à-dire à ma parole, le Coran. Naam. Allah dit, l'air sort, saufa nuslihim nara. Allah dit, bientôt, toi et toi, nous allons les faire, nous allons les brûler dans l'enfer. Saufa nuslihim nara. Nous allons les briser dans le feu. Naam. Le feu de Jahannam. Ils seront brisés là. Allah dit kullama nadjat juluduhum. Toute fois que leur peau est consumée, toute fois que leur peau est brûlée,
est fini dans la braise. Toutefois que leur peau, leur chair est partie dans le feu a tout mangé, leur peau, Allah dit, nous les remplaçons avec des nouvelles peaux. C'est-à-dire, celui qui est châtié dans l'enfer là. L'enfer là, c'est du feu. Ça brûle les peaux. Une fois que la peau est brûlée, c'est fini. La personne ne sent plus le châtiment. Allah a créé, tel qu'Allah a créé l'homme là. La peau là, c'est dans la peau là qu'on sent la douleur. Quand on pique quelqu'un là, pour la première fois là, quand on le pique, il sent. Mais quand on enfonce, il ne sent plus. Parce qu'il a déjà senti. Ça a dépassé la peau. Si on dépasse la peau, le sang, tout ça là, maintenant, dans la chair là même, on ne sent plus. Donc pour qu'il goûte, il sent fort le châtiment, Allah dit cool la main, dira du nous. Toutefois que le corps, la peau est brûlée, finie, nous poussons des nouvelles peaux sur les chairs, afin qu'ils goûtent normalement, véritablement, le châtiment. Il y a un hadith qui dit que leur peau là est changée, est remplacée 100 fois par heure. 100 fois par heure. Une fois dans l'enfer là, le feu finit avec la peau. Allah met encore une nouvelle peau. Ça finit avec une nouvelle peau pour qu'il sent le châtiment. Et donc, c'est la peau est remplacée 100 fois par heure. Qui peut imaginer ce châtiment-là? Ça s'augmente. Kullama nadjar juludhum badalnahum juludan ghayraha. Naam. Maintenant, qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. On ne peut pas imaginer comment les habitants de l'enfer sont châtiés. On ne peut pas imaginer. D'ailleurs, même, ils ne vont même pas entrer à l'enfer avec leur forme qu'ils ont dans la vie d'ici-bas. Non, non. Allah va agrandir leur forme. Ils seront encore plus grands. La peau, là, l'épaisseur de la peau, là, sera bien pour qu'ils sentent encore le châtiment. Il y a des savants qui disent que l'épaisseur de leur peau là mesure 60 mètres. Ça, c'est la peau seulement. Et les chairs, sa forme, ils seront bien grands pour qu'ils sentent mieux le châtiment. Qu'Allah nous en préserve. لِيَذُوقُ الْعَذَابِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. Il dit Allah demeure toujours un Seigneur puissant, Hakiman. Allah demeure toujours le sage. Allah est sage. Parce que ceux qui sont à l'enfer là, ceux qui doivent aller à l'enfer là, Allah ne les a pas lésés. Allah est juste. C'est la récompense, c'est la conséquence de leur mécréance, de leur désobéissance, de leur rébellion à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne croit pas en Allah, là, c'est un rebelle. Il s'est rebellé contre Allah. Donc, la rébellion, là, on la mate. C'est ça. Si tu te rebelles contre Allah, Allah te châtie, Allah te mate dans l'enfer. Donc, Allah est sage. Allah est juste. Il est puissant dans sa justice. Voilà. Celui qui juge et celui qui punit. Allah, il juge et il punit. Mais quelquefois, il y a des gens qui jugent et il y a d'autres qui punissent. Mais c'est Allah même qui juge et c'est lui-même qui punit. Donc il est puissant dans sa justice. Voilà. S'il tranche là, personne ne peut attaquer sa décision. Donc il est puissant. Là, si Allah met quelqu'un en enfer là, nul ne peut venir intervenir. Et nul ne peut le faire sortir de l'enfer. Non. C'est le Tout-Puissant. On ne peut pas l'attaquer. On ne peut même pas l'accuser. Personne même ne peut demander à Allah pourquoi tu l'as mis à l'enfer. Non.
C'est ça la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Allah dit, famille woman amena bihi. A quoi abe yaudia ou la kitabu dungu. Mogobo ou la mana amena mouramin limanela. Bihi ala kira mohammed masala salama. Famille woman abe sur le kitabu dungu la. Abe sur le yaudia ou la abe sur le chrétien ou la man. Mogami amena no limanena bihi. Ala kira mohammed masala salama. Bihi kuranama. Parce que ni mogol limanena kuranama abe limanena kirama. Ni limanena kirama abe limanena kuranama. A quoi wamin wum. Afanabe ala yaudia ni nasara ou la. Man mogosolo la man sodda anwo mogami ba ka iyama janya ka bo ala kirala amaso ngali manya kirama okore mogosolo la yaudia ni nasara la muli manana kirama kalimanya qurana ma ka do islam yala mogofana solo la mu bana ka do islam yala ka solo ka lonko ala kirai chanye ko qurana ala makai oluko yoma janya ka bo limanya ma ngamu yoma janya kabol limanema yaudian ni nasara wala ole kasha katema musona ka tumi ka do slamela ala ko aminu man sadda an mum bana kirala kabanga limania kamoto bali o kasega limania kirama mazolu jolo moye o mal limania wa saddu an olu masonga tuka ko ne kuma ube nulu ko famo ko nyina alle olu matu moto bena tu kirako o bana ko kuma fo. Donc, à quel moment vous avez parlé que vous avez dit 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 que vous kafri mona te bo ala la fio fo jahanama ko parce que amin ka ala la ça fait très mal donc ala re ba re mona bo ayre la ni jahanama ni kafri ka jahanama dole ala kan kisam naam o fana dante chrétien ni yawle wide mogo dunya ko na bi ala kira kini ko sallallahu alaihi wasallam mogo ni nana kiyamalo imaga salamai ibe jahanama ko siga shito wala kavono o fana be dina dole la o fana be ala lo o be tio be nyuma yake o be saraka bo ils sont gentils eh karamoche ibe nyuma yake be saraka bo o be baraji ba so jango ne o chiti kisi ka bo jango ma do matan ni maga islamai ni ka konma ga be baraji so ro hal ni kafri ni ka konma ga ba baraji so ro me dunia ko ne ya ba baraji so ro muna ala be chanti di ma be no aba fara gerzike ka ibe san cheke la ka do me ya ani loko. Mais ni sala koni jangala ma ko ha ni be fa do arjina ko no be kel ni manya joni ha moshi koni te do arjina ko no mo nje islam ayde ha islam da mal be arjina ko no islam dante ala kira ga manto ne salama nabi isa tlela mo mo li manana ka tu ko islam o lokmo lui nabi musa tlela mo mo li manana ka tu musa ko islam o lokuno nabi ibrahim tlela islam o lokmo tu ko simalle salama ole limenana daudama salama ole limenana yusufuma salama ole me nabila nu tlela salama dama am fa dama kne salama le am ba hawa kne salama le am fa dama ne am ba hawa o dem fa san wora kele avec kne salama kafri chi kunde hal nok me ala soso me kafri kunde kada me am fa dama ma fo kana se nabila nu huma san wora kele ni san wora kele nu kono kafri kunde y avait pas de mécréants. De notre père Adam jusqu'au prophète Noé, il y a 10 siècles, c'est-à-dire 1000 ans. Tous ces 1000 ans-là, il n'y avait pas non-musulmans. Tout le monde était musulman. Même s'ils commettaient des péchés, mais quand même, ils étaient musulmans. Voilà. Donc, en réalité, là, nous sommes les descendants des musulmans. Tu es musulman ou tu n'es pas musulman, tu es descendant des musulmans. Tu es sorti de notre père Adam, il est musulman. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il ne faut pas oublier ton origine. Non. Alors, quand il y a des gens qui ont fait des choses, ils 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 ont fait des choses,
Alors qu'on voit Corana, on va voir Corana. Aya, on va voir Aya. Alors qu'on voit le toit, Allah, on va voir le coup Allah. On va voir le yelema, on va voir le bayelema. On va voir le yelema. On va voir le yelema. Alors qu'on voit le yelema, tout est. Arabou va voir Allah, Farafim va voir Allah, Mohamed Arabi va voir Allah, Français, tout va voir. Il est quand on a, on met Allah, tout le coup Allah. On est clean, nous. Quand on a mis Corana, tout le coup Corana. Ama fo seli ma ko seli o ta ama fo ko sala on est de dire prière là on a qu'à dire sala parce que quand tu dis sala on sait que c'est prière des musulmans mais quand tu dis prière là ça peut être prière de tout le monde même prière d'animis hein non c'est pourquoi on dit sala la zakat au lieu de dire l'aumône on dit la zakat parce que l'aumône là c'est chez les autres aussi il y a l'aumône mais c'est différent de la zakat. Donc, au lieu de dire l'aumône, on dit la zakat. Au lieu de dire carême, on dit le jeûne. Jeûne là-même, je ne sais même pas, ça peut aboutir à une autre tradition. On n'a qu'à dire siam, ce n'est pas fini. On dit siam. Parce que quelqu'un m'a demandé une fois, il dit, ah, est-ce qu'on peut dire carême? On peut dire jeûne? J'ai dit, mais carême, là, ça veut dire quoi? Il dit, non, carême, là, c'est pour les chrétiens. Ah, j'ai dit, si carême, là, c'est pour les chrétiens. Jeûne, là aussi, ça peut être pour d'autres. Donc, on n'a qu'à dire siam. Hein? Quand on dit siam là, c'est pas fini. On sait que siam là, c'est ça, c'est de ne pas manger, de ne pas boire pendant le mois de Ramadan. C'est ça qui est siam. La salat là, on connaît. La zakat là, on connaît. Le hajj, on dit le hajj. Faut pas avoir dit pèlerinage. On n'a qu'à dire hajj. Parce que si on dit pèlerinage, on est obligé d'ajouter pèlerinage musulman. C'est ça, non? Quand on dit pèlerinage, on est obligé d'ajouter pèlerinage musulman. Parce que c'est les autres aussi, il y a pèlerinage. Donc nous là pour sortir dans tout ça, pour faire économie des phrases, on n'a qu'à dire hajj. C'est plus simple. Hajj, c'est quatre lettres. On a dit pèlerinage, musulman. On perd le temps, on n'a qu'à dire hajj en même temps. Quand on utilise les thèmes islamiques. Voilà. Quand on donne la bonne compréhension. Et là, il dit que le Saint-Coran. Ils disent le Saint-Coran. Non, non. On ne doit pas dire le Saint-Coran, on dit le noble Coran. Parce que Allah n'a pas dit que le Coran est saint. Tout le monde sait que le Coran est saint, mais Allah n'a pas donné un nom, mot saint là, au Coran. Allah dit, innahu la Quranun karim. Allah dit, c'est un Coran noble. Walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal Quran al-azim. Allah dit le Coran sublime, al-azim. Mais quand je dis Coran, le Saint-Coran en arabe, ça veut dire Al-Quran al-Muqaddas. Non? C'est la Sainte Bible. Mais le Coran, là, c'est noble. Tu vois, non? Ils ont coupé et collé en même temps, quoi. Quand on a la bonne compréhension. Donc, on va faire un ayat. Alors, Coran, ayat. Comme on a un banan, on a un kafriyama. Il a un imaniyama, il a un barakada, il a un kafriyama. On a un kafriyama, Coranama. Il a un ladin, un kafaro, un ayatina. Mon kafri ala ne ala kumakama no yo koranai. Parce que ni bana korana na bana alala. Al ni koko alabe. Mon chama li manana ko alabe yo. Mon chama li manana ko alale gambe dan. Mais ou l'ouma li manana ko koranai ala kumakai. Ou l'y est kafri. Mon dobo li manana ko alale gambe dan. Ko koranan vana ala kumakane. Mais ko alete son korana kumakama kafri lo. Ama li manana koranama. C'est-à-dire ni bana Corona la doit bana alala. Nous allons quoi? Il n'a les dina kafaru be ayatina. Ni bana kabara gani Corona. Il bana alala. Al ni galoko alabe. Al ni rendega kiye islamay. Parce que dobe be o rendega kulu islamay. Ni Corona gami fo kulu te sonma. Ni gafo alak maka ma kone te sonma. I sona ala erema. Ima ala doya wa. Alors qu'on connaît, quelle va voir la main? Non, moi je ne vais pas faire ça. Ça, c'est l'impolitesse. Impolitesse envers Allah, là, c'est la mécréance. Allah te dit, non, yo. Nana qui est mis, ni ma soeur, qui est mis d'adji. Il est mis d'adji, Kassli. Mais il a fait d'Allah, que moi je ne peux pas faire ça. Alors que Allah t'a recommandé ça dans le Coran, tu deviens mécréant. Et Nana dit, kafaru bi ayatina. Ceux qui nient nos paroles, les passages de notre parole, le Coran. Allah dit, Saufa nuslim naran.
Ameume arrête na mère ne bolu bela jeni jeni jangana mana tasmana mo be jeni tasmana o be jeni chogo na sala bono lo fo kullama natjat juluduhum tumontu ma no farini janna ka bampeu o golo ma jeni ka bampeu badalna go ma ala ko ne bo fali juludan golo werela ghaira ga min korman te kele ala be golo wera fla fale o place la li yadhuqu al'adab yasa o ka jangata nene kosre. Parce que Allah est mort dans une année, Adam est une colonie. 10 000 bols là. Donc, c'est un tasma qui est mort dans 7 degrés de l'année. Ah, ni colon ou la caboy, non, al tasma va gêner, t'es fou et senti tout. Parce que 10 000 bols en colonie, Jolis n'est là. Non, nous boirons et caban, actuellement, t'es fou et senti tout. Donc, c'est un gêner, c'est l'air de l'Adam Adena Bessa. Il ne peut plus survivre. Les tasma qui est mort dans 7 degrés de l'année, il ne peut plus vivre. Abessa. Parce qu'il n'a plus de sentiments. Donc, j'ai l'impression qu'on a atteint ça. Ce malaya y a mon jufi, voilà Yahya. J'ai l'impression qu'on a dit ça. Il me fait que ça donne à la bégoulouère à placer là. Tu ne meurs pas. Mais si il meurt là, il ne va plus sentir le sentiment. Alors, il y a mon jufi, l'habitant de l'enfer là, il ne meurt jamais dans l'enfer. Voilà Yahya, il ne vit pas aussi une vie parfaite. Il est toujours dans le châtiment. Li yadhuqu al'adha jazaa'u ka jangata nene kosebe aha ni ayat kala sawbe ka scientifique do tubi ka do islam hala a cause de cette ayat la les scientifiques ils se sont convertis à l'islam les dermatologues voilà les scientifiques dermatologues là à travers cette ayat certains parmi qui se sont convertis à l'islam. Parce que le Coran dit, ils ont fait la recherche pour dire, bon, la peau là, si la peau là n'est plus, on ne peut plus sentir la douleur. Et ils ont fait la recherche des années en train de faire la recherche. Le jour, ils ont donné le résultat là. On a dit, mais ça, ça est dans le Coran depuis des siècles. On sait que celui qui n'a pas de peau là, il sent plus la douleur. Donc Allah remplace les peaux. Pour qu'ils sentent encore. Allah bien golni golon bolé golo wala be faraka. Aha. Mais on va 10 000 sentir golon n'est là. On s'en est, non, mais on va piquer. Piquer, avec deux voix, tu n'as pas 10 000. N'a de la droite, 10 000, tu connais. Ah, on va dire la carte, on est là, on est là, on est là. Mais à deux voix, tu n'as pas de couleur, il y a de la carte. Est-ce que femme, voilà. Parce que n'a pas de temps, golo, quand on a 10 000, tu es là. On l'a là, quoi. Ni jarama do be jarama ko no golo jenna ka boy ne be golo wore fala aka pour ko be dimi chanti pour ko be dimi re nene ko sebe li yadhuqu al'adab ya saw ka je o ka jangata nene lon ba ko ko farin me yele ma jangama ko no shenkeme leru ler shenkeme ler kele ko no abe jen shenkeme ala kan ki jangama mare. Ako inna Allah masam koni alay kana azizan ala mawlifi ala kalam masa masa korobo bali ala min se ala min te korobo aha nala ka be minke abole ka te zega fu te zega ala bali azizan nala mo gomne ka do jangana ma kono mo shile zega tigila bo mo fana te zega ala ndinga mo ne ga bla jangana ma kono mo te zega fa ala chaire la ni ma ga ta jangana ma kono o te ala ni fenche hakiman ala kiri masai ala masa klenni ala te baga mo shima ga bla jangana makono ah ala te baga mo shima ga do jangana makoro jangana ma debede jangana makono tmatma ala re ba lo ko vraiment ka le ganga do ah ala te baga mo shima de sana be do jangana makono ala re be son ko vraiment ala re ganga ta jangana makono aba lo kala ma baga le ma parce que ala bina be wole la ngara ke la lo ele man kea ele man kea ele man kea فاعترفوا بذنبهم كافر بابل اقدر منا tous les habitants de l'enfer vont reconnaître hein leur faute فاعترفوا بذنبهم ils vont reconnaître qu'ils sont coupables voilà donc Allah te bagam roshima mais Allah rabbe coupable chamale bla hein parce que Allah bin ambe ngi kala salamay kala kafir be ngi ngale kafri kwani ya alete kishi
N'a pas la cour et catch, à n'y a rien. Moi, j'ai des guichots. Hein? Voilà, mais Slaman, il est demandé au lieu qu'on baille. Il veut tout Slaman, ne cause. Notre un apparat dans la couille. Mais comment son Slaman, maintenant? Voilà, au lieu qu'on s'en est. Slaman ne veut du moun yafa. Ame Selmin Kellen, au lieu du mou yafa. Ame Soumin Dolan, au lieu du mou yafa. Ame Jamin Bola, au lieu du mou yafa. Voilà, ame Fola Asafoula, au lieu du mou yafa. Notre. Nama yafa, moi j'étais ici. Mais quand Kafri t'a l'été yafa quoi? Parce qu'elle était yafa quoi qu'elle a. Alaba yafa, moi ma femme une gozon. Ou t'es Kafri boulot. Alaba yafa, moi ma slamea gozon. Kafri ma slamea. Alaba yafa, moi ma sel gozon. Al nasel la rasel temina. Parce que slamante. Alaba yafa, moi ma sarga gozon. Ni Kafri ka sarga bo. Ata jirmu yafa de. Abe dofra gerzia kandunia konere. Iya ya. Donc al biya lama al ya fala mbere jenima donc al nyala be mo ko do jalama kono atiki ta foko barakala lema ale rabbe lo alali fa atarafu bi dhanbihim fa suqa li ashabi sa'ir kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fa kadhabna wa qulna ma nazala lahum min shay إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير كفر بنا فقو كان ننك مكمم أفرى لأ والله يكمم بفرى ما أنت لكم قليالي ولكو سنبيل جهنم كنا بي ولكو سألكو إن الله كان عزيزا على كلام مسالي مسامي تكربو مسامي نقوى بمينك أباكي Hakiman, à la fin de la Moshima, à la fin de la fin. Ni à la fin de 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 avant de m'en aller, relève. Allah nous traite à travers lui-même, mais pas à travers nous. Si Allah veut nous traiter selon nous-mêmes, on ne sera pas épargné. Mais Allah nous traite selon lui-même, parce qu'il est miséricordieux, il est clément, il est compatissant, hein? Il est gentil. Donc Allah nous traite selon lui-même. Inna Allah kana azizan hakima. Donc, toutefois, si Allah parle de l'enfer, il parle du paradis. C'est les deux qui vont en paix. Ici là, même s'il est l'heure, on ne va pas s'arrêter à l'enfer. Non, 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 on va avancer. Hein? On va sauter l'enfer là. Allah dit Walladina amanu. Quant à ceux qui ont cru, Walladina amanu, quant à ceux qui ont cru, wa amilu salihat. Qui ont fait de bonnes œuvres, qui se sont convertis en islam,
qui ont cru qu'ils se sont convertis à l'islam, wa amilus salihat, alladhina amanu, ceux qui ont cru, qui ont attesté l'unicité d'Allah, amanu, le tawhid, wa amilus salihat, qui ont fait des bonnes œuvres, la salat, accomplissement de la salat, wa amilus salihat, qui ont observé le jeûne du mois de Ramadan, wa amilus salihat, qui se sont acquittés de les zakat, wa amilus salihat, qui se sont mariés islamiquement, wa amilus salihat, qui ont bien traité leurs parents, wa amilus salihat, qui ont été gentils avec les voisins, wa amilus salihat, qui sont allés à la Mecque pour faire le hajj, wa amilus salihat, qui ont récité le Coran, wa amilus salihat, qui sont venus s'asseoir à la mosquée pour entendre, pour écouter la parole d'Allah, wa amilus salihat, qui ont enseigné le Coran, wa amilus salihat, qui ont appris à lire, à apprendre le Coran, wa amilus salihat. Allah dit, leur sort c'est quoi? Ça nous décrit le Wum Jannat. Tôt et tard, ce ne sera même pas loin. Nous allons les faire rentrer au jardin. Jannat. Jannat, ce sont en arabe, Jannat, ça veut dire jardin, des jardins. Tout le monde sait qu'au jardin là, il y a l'ombre, il y a l'eau, il y a le bon air, hein? Il y a l'aisance, il y a la tranquillité des jardins. Si on veut se reposer là, on va où? On va au jardin. Allah dit, « Sanudkhilukum jannat » Nous les ferons rentrer dans les paradis. Dans les paradis. Ce n'est même pas un seul paradis. Hein. Non. « Innaha jinnat » Il n'y a pas un seul paradis. Celui qui est entré au paradis, là, il a plusieurs paradis. Il a plusieurs châteaux, il a plusieurs villas dedans là-bas. Voilà. Ce n'est pas un seul. C'est pourquoi Allah dit « jannat » Ce sont des jardins, des paradis. Naam. Tajri min tahtiha al-anhar. Les paradis sous lesquels coulent les ruisseaux. Il y a quatre ruisseaux qui coulent sous les paradis. C'est-à-dire chez toi à la maison, dans ta château, dans ta villa, ta château là. Hein? Il y a quatre rizières qui coulent. C'est naturel, hein? C'est pas artificiel. Voilà. C'est naturel. Allah a créé ça. Ça y est là même avant notre naissance même. C'est-à-dire, toi, ton paradis là, ça y est là. Allah a préparé ça pour toi. Avant même ta naissance. Maintenant, si tu viens, tu es musulman là, c'est toi qui entretiens ton paradis. Chaque mois de Ramadan, Allah fait entretien des paradis. Voilà, on nettoie bien. Voilà. Maintenant, tes épouses qui sont là-bas, là, elles commencent à prier. Allah, il y a longtemps, on n'a pas vu notre mari là. Alors que toi, tu ne veux pas mourir. Vous voyez, c'est le jannat. On va aller au paradis. Hein? Et elles seront les reines de celles qui sont dedans là-bas. Nos femmes, nos épouses qui sont avec nous ici, qu'on gêne ensemble, on se bagarre, à cause d'Allah, on se pardonne. Les femmes qui sont ici, hein, elles seront les reines des femmes du paradis. Les femmes du paradis seront leurs servantes. Voilà. Elles leur donnent des commandements. C'est comme ça. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est pourquoi il y a des imams, des prêcheurs qui disent comme ça, si un musulman, sa femme le traite mal, sa femme l'énerve, hein, il est fâché contre sa femme, que ses épouses qui sont au paradis là, ils accusent l'autre. Toi aussi, si tu ne veux pas, faut envoyer notre mari ici. Hein? Donc elles sont pressées pour te voir. Mais celles qui sont ici là, elles-mêmes, toi tu ne vaux rien même si, devant elles. Hein? Non. Alors le jannat, t'as dit mais t'as tu as l'anhar. Donc il y a quatre ruisseaux qui coulent sous ces paradis-là. Il y a l'eau, il y a le miel, ruisseau du miel. Ça, il n'y a pas abeilles dedans. Mais si toi tu vas chercher, tu vas cueillir du miel là, les abeilles là, ils vont te former ton visage d'abord. Mais au paradis, non. Il n'y a pas d'abeilles dans le miel là. Il n'y a pas d'abeilles. C'est ruisseau, ça coule sous tes chambres. Il y a l'eau. Anharu mimma ghayri asin, l'eau pure. Ou anharu min laban. Hein? Ruisseau du lait. Hein? Voilà.
tu n'es pas obligé d'aller faire avec la vache. Non, 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 non. C'est l'air naturel propre. La miette, il y a l'air là, tu vois, tu ne sens même pas caca de bœuf là-dedans. Hein? Wa anharun min khamri ladati li sharibin. Il y a réseau du vin. Ceux qui ne savent pas boire ici, là, faut arrêter pour ici, là. Pour paradis, là, c'est meilleur. Il y a du vin même. Voilà. On boit seulement. Mais on ne devient pas ivre. Voilà. Et ici, le vin d'ici, là, tu bois, tu chies sur toi-même, tu pisses sur toi. Mais au paradis, là, ça, il n'y a pas ça, là. Hein? Donc, il y a réseau du vin. Hein? Quand tu bois, là, tu ne rencontres pas n'importe quoi. وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى نعم اي دونك تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم يدمرون لا خالدين يرسون يدمرون لبا dans le paradis éternellement خالدين فيها يدمر au paradis éternellement. Le paradis ne finit pas, lui aussi il ne meurt pas. Khalidina fiha. Ça demeure. Allahu Akbar. Le paradis là, ça ne finit jamais. Le paradis n'a pas de fin. Les habitants du paradis aussi n'ont pas de fin. C'est-à-dire, on ne meurt pas. Au paradis là, il n'y a pas la mort. Khalidina fiha. Au paradis, il n'y a même pas la maladie. Khalidina fiha. Au paradis là, on ne devient plus, on ne devient pas vieux. Les femmes ne deviennent pas vieilles. Non, non, non. Tous les habitants du paradis, on a 33 ans. Tu ne peux pas dépasser 33 ans. Voilà, en pleine forme. Tout le monde aura 33 ans. Les hommes comme les femmes. Voilà. Tu n'es pas vieux que quelqu'un ici. Nous sommes tous des catégories. Donc, toi, tu ne peux pas m'envoyer. Donc, on a même âge. Personne ne commande l'autre. On a même âge, nous sommes, on est tous des souverains. Voilà, nous les habitants, non, nous avons des servants, des serviteurs, tout le monde est roi chez lui. Si tu vois un habitant du paradis là, tu vois un grand roi. Voilà, tu es roi mais tu n'as pas d'héritier quoi, qui va souhaiter ta mort là, non, 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 ça il n'y a pas ça. Hein? Donc on demeure éternellement dans le paradis. On est toujours jeune. On est toujours en forme. On ne tombe pas malade. On ne meurt pas. Priez même là. On ne prie même plus là-bas quoi. Non, tout cela, ça gêne. Hein? On ne gêne pas là-bas. Il n'y a pas moins de ramadan dans le paradis. Non, non, non. Il n'y a pas moins de ramadan là-bas. Hein? Voilà. On ne prie pas, on ne gêne pas. Voilà. On est là seulement pour vivre éternellement. On n'a pas peur de ni la mort, ni maladie. Il n'y a pas de jalousie. Hein? Tout ce que tu as là, ça te suffit. Tu ne vas pas envier quelqu'un d'autre dans le paradis. C'est ça qu'il faut chercher. Khalidina fiha abada. Allah dit, ils demeureront là. Éternellement. La Wumfiya Azwa du Mutahara. Allah dit les habitants du paradis, ils ont des épouses là, dans le paradis, des épouses purifiées, Mutahara. Des épouses, des femmes, hein, qui n'ont pas de menstrues. Non. Si ta femme, si tu as besoin de ta femme, alors qu'elle est en état de menstrues, il y a feu rouge. Ça ne va pas. Mais au paradis, là, ça n'existe pas. Mutahara. Elles n'ont pas de menstrues. Elles ne font pas des enfants. Elles ne tombent pas en grossesse. Hein? Voilà. Elles sont toujours vierges. Toutefois, tu la trouves vierge. Mutahara. Hein? Voilà. Mutahara, au paradis, là, il n'y a pas de toilette. Non, 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 non. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche.
C'est celui qui est sale là qui va se laver. Ça, il n'y en a pas. Si tu as besoin de faire quelque chose, il n'y a pas sa place là-bas. Tu n'as pas besoin de faire ça. Mutahhara. Azwaj Mutahhara, des épouses qui sont purifiées, des épouses même qui n'emmerdent pas leur mari. Voilà, Mutahhara, elle n'emmerde pas son mari. Voilà. Mais ici, dans la vie d'ici, voilà, il y a des hommes là, les châtiments là, c'est les femmes. Comme lui, il est faux type là. Donc, Allah le punit avec sa femme. C'est comme ça. Il y a des péchés là, si tu fais là, Allah dit rien. Tu vas trouver ta femme dedans là-bas. Elle va te montrer, tu vas voir. Il y a des péchés là, quand tu fais, Allah dit rien même. Allah te laisse avec ta femme à la maison là-bas. Tu rentres là-bas là. Non, tu vas, ce sera pressé que la nuit finit. Voilà. Donc, il y a des gens là, leur problème là, c'est déjà réglé où? Toi, Allah te confie à ta femme, elle va régler ton compte là, elle te bien même, elle te corrige. C'est-à-dire que Allah peut éprouver des gens avec des femmes, mauvaises femmes. C'est une épreuve aussi. Et c'est dû à nos péchés. Si tu es mauvais là, Allah te donne une mauvaise femme. Tu as tous les mille problèmes avec elle. Donc les épouses du paradis là, elles n'ont pas ce comportement là. Elle n'emmerde pas les maris. Mutahhara. Non. Wanou de Khilurum Villan Valilan. Allah dit également, nous le ferons rentrer dans les hommes. Hein? Dans les hommes étendus. Valilan. C'est-à-dire, l'ombre du paradis là, ça ne finit jamais. Le Ressourcement, il a dit qu'il y a un arbre au paradis. On peut marcher sous l'ombre de cet arbre-là, 1000 ans. On est en train de marcher 1000 ans. On n'a pas encore sorti, on n'a pas encore quitté l'ombre de cet arbre-là. Donc l'ombre du paradis, là, c'est étendu. Allah dit, « Wa zillim mamdoud. » L'ombre du paradis, Allah dit, « Ukuluha da'imun wa zilluha. » Il dit, la nourriture du paradis, là, est perpétuelle. « Wa zilluha » également son ombrage. C'est perpétuel. Ça ne finit jamais. Allah, il a dit ici, Villan Valila. Tout est l'ombre, il n'y a pas soleil. Il n'y a pas chaleur, quoi, ça veut dire. On ne sent pas chaleur au paradis. Villan Valila. Donc, nous allons rester ici, sous l'ombre du paradis. Inch'Allah. Wallahu ta'ala ala. Wa akhir da'wan alhamdulillah rabbi alamin. Salam alaikum.